entre les métropoles et les campagnes. Pour faire prémunir. Exactement, on peut payer la chambre au beurre. 2,48 € à Tulle, mais 4 euros à Paris, ça ne surprendra personne. En revanche, évidemment, le prix est en baisse de 9% dans les supermarchés, ce qui va continuer à ruiner un tout petit peu plus l'économie. Oui, c'est moins bon dans les supermarchés. Voilà, exactement. Il faut le faire soi-même, le jambon beurre. Pendant qu'on s'agisse dans les villes, Natacha, les oiseaux disparaissent à la campagne. Oui, ça, c'est du long terme, mais il serait peut-être temps de s'y intéresser. C'est le Figaro qui nous en parle. Effondrement de la population d'oiseaux dans les campagnes, c'est une baisse de plus de 30%. Betsy, laisse le chien. C'est assez logique, hein. La baisse est de 75% pour le nombre d'insectes. Il y a un principe qui s'appelle la chaîne alimentaire. Sauf que là, on a baissé l'usage des pesticides, mais hélas, la queue de comète, les conséquences, elles vont durer longtemps. Allez, une tribune qui fait parler du Figaro. Oui, c'est l'appel des centres intellectuels contre le séparatisme islamiste. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement cette habitude, par exemple, d'utiliser les mots du racisme pour faire une séparation entre les dominés et les dominés. C'est le fait de créer des espaces où, finalement, petit à petit, les gens ne vivent plus ensemble. Et donc, centres intellectuels alertent, et pas des moindres, hein, Ferry, Paul Thibault, enfin, il y en a énormément, vous allez voir, simplement, et c'est sans doute ça le corollaire. Betsy, laisse le chat. Kenzo, stop. On parle de Léa, de Asia, de Basel Corner. C'est pas exactement le cas. Alors, il y a la patronne de Nelbar qui dit la mode des Baraouis, je viens des États-Unis, un pays qui est toujours délivré, qui est un peu aisé la clientèle. Alors, du coup, vous avez des Baraouis, alors, en fait, vous m'expliquez juste, c'est plutôt vous un pays. Betsy, tu laisses le. Eh bien, ma fille, tu le laisses. Camille. Bon, les deux là, stop. Descends, Canel, qu'est-ce que tu fais sur la table? Descends. Kenzo, t'es pénible. La bouffe. Hein? Ça tend la bouffe, mes bébés? Oui? Hein? Ça tend la bouffe? Hein? Vous connaissez ces moments où vous sentez que rien ne peut vous arriver? Votre dernier discours, il est mémorable. Vous faites un solo, c'est le solo qui compte. Côté style, ça, ça y va. Ça aussi. Et même si ça, ça vous arrive, et là ça n'arrive pas, c'est passionnant, non ? Vous pouvez la faire à des hommes. T'as faim, on va manger mon bébé.
On va pouvoir s'occuper du jardin un peu, hein? Coucou mon bonhomme. On fait un petit coucou aux copains de l'ADM avant de faire à manger. Ça fait du bien du soleil. Comment ça va mon petit chien? Oui, ça va mon petit chien, c'est bien mon petit chien. Bonjour mon bonhomme, c'est bien mon petit cœur. C'est bien mon pisco. À bientôt.